C'est Nolwenn, je fais cette vidéo pour vous parler de ma vie en Italie, en tant que noire clairement. Je vais commencer par vous parler de la première ville à laquelle j'étais, c'est-à-dire Padova. J'y ai fait quoi? On va dire un an. Au début, c'était vraiment trop bien, tout beau, tout nouveau et tout. Tu vois la nouveauté, et tout ce que tu voyais seulement, tu voyais pas en fait. Tu arrives dans un nouveau pays, c'est vraiment, c'est waouh en fait. Mais bon, après quelques temps, 2, 3, 4 semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait 2, 3 petits trucs qui n'allaient pas vraiment. Notamment, je regarde genre, les moyens de transport, ça c'était vraiment la chose la plus flagrante. Si tu montes dans le bus, tout le monde te regarde genre, en mode... Attends, il me regarde comme ça, pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Mais après, tu passes autre en fait, tu zappes, tu te dis que bon, faut encore faire comment? Je vais pas contrôler le regard de tout le monde en fait. Je zappais. La deuxième fois, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que je suis descendue du bus. Au moment où je suis descendue du bus, le chauffeur, il me touche les tresses. Genre, j'avais des tresses et tout, il me touche les tresses, genre en mode... En fait, limite, c'était la première fois... J'avais de longues mèches en fait. Limite, en fait, je sais pas si c'était pour lui la première fois qu'il voyait ça ou bien quoi. Mais déjà, j'ai pas trop apprécié parce que on se connaît pas, tu touches pas mes cheveux comme ça, tu me demandes pas... Bon, ça aussi, j'ai zappé. Une autre fois... C'était, j'étais en train d'attendre le bus, toujours avec les bus. J'étais en train d'attendre le bus avec ma soeur. Un monsieur genre qui passe, il s'arrête, il rigole, après une crêpe de chocolatine. Chocolatine, les gens que tu ne connais pas, je trouve les chocolatines comme ça sans raison. On a force, on a zappé, en fait, on peut que zapper, on va rien faire en fait. On zappe. Et vraiment, la goutte d'eau à Padova, c'était nos profs. On a eu deux profs au total. Pourquoi? Parce que d'abord, je lui ai expliqué que dans la salle de classe, il n'y avait que ma soeur et moi, en fait. On était calés dans la salle de classe. Notre premier prof, c'était quoi? Quel moment on a eu? C'était, à chaque fois qu'on avait cours, il était malade. Donc, tout le temps, il nous appelait pour dire j'annule. Et à un moment donné, ça nous a souri. On paye quand même. Donc, je suis partie. Et à l'école, je lui ai demandé, en fait, c'est quoi le problème, en fait? Pourquoi? Le prof a quoi en fait? Ou bien au pire, s'il est malade, trouvez-nous une solution en fait. On ne peut plus continuer comme ça. Et quand je finis de parler avec la secrétaire là, je me tourne. Qui je vois? Mon prof. Apparemment, il n'était plus malade. Après, il me voit, après, il fait encore genre, il tousse. Et tout, machin. Bon, ça va mieux. Il rigole. C'est resté là en fait. Mais bon, j'ai profité. Moi, j'aime pas trop me plaindre et tout. Non, j'ai ça pas en fait. Quelques temps après, on nous a changé de prof, on nous a persuivi. Moi, je me suis dit, tant mieux, au moins, d'être un prof avec qui on aura vraiment cours. Lui, là, vraiment, c'est toujours ça. Au début, c'est bien, tout, il nous enseignait tout. Et il parlait beaucoup mieux français que le premier, c'était vraiment trop bien. Ça se passait bien, c'était tranquille, tout. Jusqu'à un jour, je ne sais pas ce qu'il sait, pas s'il allait suivre, parce que c'était au moment où Black Panther venait de sortir. Je ne sais pas s'il allait regarder ça, ou bien si quoi. On finit de faire cours, il dit Wakanda. Encore, on a zappé. Une autre fois, on fait cours, après il nous demande que, mais vous parlez bantou chez vous. Attends, on est en train de s'échanger en français. Je lui demande si c'est bantou qu'on parle chez nous. On lui a dit non, on lui a expliqué que non. Il faut savoir qu'en Afrique, l'Afrique c'est un continent. C'est comme l'Europe, il y a plusieurs pays, chaque pays parle sa langue. On a fait tout un cours de géographie limite en fait. Il a dit, ah ok, d'accord, je comprends. Ça encore, c'est passé. Une autre fois, j'ai carrément vu, ils avaient une carte, vous voyez souvent, il y a des cartes du monde et tout, où il y a des pays et les langues des pays. Et quand j'ai vu mon pays, le Gabon, il y avait deux langues en fait, le français et le bantou. J'ai fait, ah, parce que le bantou c'est une langue. En fait, j'étais vraiment scandalisée en fait, j'ai montré ça à ma sœur, elle aussi, elle était choquée, comme ça c'est quoi? Ils prennent les informations pour qu'ils sont dans les cartes là, où c'est? On se demande, ça aussi, là, on va encore faire comment on zappe. Une autre fois encore, on a refait cours avec le prof, le même prof, hein, qui nous demande encore si on parle bantou. Là, on était seulement, mais me semble qu'il a répondu à cette question, en fait. On peut vous répondre à la question combien de fois? Ça, encore, on a zappé. Tout ça, c'était Padova. On a changé de ville. On est venu à Turin. On s'est dit, bon, vu que c'est une plus grande ville, les esprits seront un peu plus ouverts. Ça va certainement mieux se passer. On n'aura plus les mêmes choses qu'on a vécues à Padova. Ok. L'année où on est arrivé à Turin, notre frère aussi est venu nous rejoindre à Turin. Première chose à Turin d'abord, c'est qu'on se rend compte que les mêmes regards qui avaient les moyens de transport à Padova, c'était les mêmes choses ici à Turin. Et c'est même x2. On dit que, ah Seigneur, on va encore faire comment? On vit ça, on n'a pas le choix. Ça la première chose, on a zappé.
Deuxième chose, et ça c'est une chose qui m'énerve au plus haut point, c'est l'affaire de l'anglais là. C'est-à-dire, partout où tu vas partir, dans les administrations, où tu vas aller parler avec quelqu'un de manière informationnelle, la personne va automatiquement te parler en anglais. Il faut savoir qu'en Italie, la langue nationale, c'est l'italien. C'est pas que l'anglais, c'est une deuxième langue, pourquoi non, c'est l'italien. Mais ça se touche, attends, si tu te parles en anglais, tu veux même leur parler en italien, qui te parle en anglais? Figurez-vous qu'une fois même, je suis allée à Lille avec une de mes amies, on était en train de parler, on était à la caisse, on était en train de parler. Et au moment où le monsieur finit de nous servir, il dit, ça fait 15 euros. On dit, vous nous parlez, on lui répond, il dit, mais vous nous parlez en anglais, pourquoi? Il dit, mais non, je vous ai entendu parler, et tout, donc je me suis dit que vous parliez anglais. Il dit, mais attends, on parlait en français en fait, pourquoi tu m'as dit, oh non, excusez-moi, il y en a. Ça aussi, on a zappé. Une autre chose qui est arrivée là par contre à ma soeur. Elle était allée faire des courses et tout quand elle finit, elle a rencontré une dame. Une dame de peut-être minimum, mais vraiment minimum 60 ans. La dame a pris la main de ma soeur quand d'habitude sans demander. C'est pas peut-être si ça peut demander pour eux. Elle me dit, bon, c'est pas grave. Elle a pris la main de ma soeur, elle a pris sa main, elle dit, non, moi je sais que là, si nous dehors se blesse, le sang aura la même couleur et tout, mais je comprends pas les gens qui sont racistes et tout, blablabla. Après, elle demande à ma soeur, mais tu viens d'où? Ah, mais tu es noire, je viens forcément d'Afrique et tout. Moi, c'est toujours un peu en mode choqué que m'attend. Madame, elle a beau de 100 euros, on se connaît où pour qu'elle vienne commencer à me raconter tout ça, mais bon. Tu fais comment? Tu zappes. Tout ça, on a fumé, on s'est dit, bon, c'est pas grave. Mais, la goutte d'eau qui a fait déborder l'eau du vase. Parce que là, je te dis que j'abuse juste dans l'excès, je me victimise ses têtes. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder l'eau du vase, c'est la recherche d'appartement ici, là, en Italie. Ouh. Bon, je veux dire à Turin, parce que dans les autres villes, je ne connais pas. Ici à Turin, on a fait un mois, mes frères et soeurs, moi dans un Airbnb, on n'était même pas qu'à trois, on était avec deux ou trois de nos amis comme ça. Nous tous, on cherchait logement. Cherchait logement. On a eu droit à tous les types de personnes. Ceux qui te disent clairement que, mon frère, moi, je ne fais pas louer les maisons aux noirs, aux étrangers même. D'ailleurs, il dit clairement, je ne fais pas louer les maisons aux étrangers. On zappait. Il y a les gens comme ça là, mais pire encore, ils vont dans les détails. Mais moi, j'ai essayé avec les étrangers. Hein. Ils m'ont cassé la maison, ils m'ont gaspé. Donc désolé, mais je peux pas te louer la maison à toi. On dit ok. Tu es le même type de personne qui te donne de faux espoirs. Tu pars, tu visites la maison, tout se passe bien. En fait, c'est vraiment pour toi, c'est ok, tu as trouvé la maison, la personne te rassure. Non, envoie-moi juste tel document. Je te fais le contrat. Blablabla. Vous donnez même rendez-vous. Nous savons qu'on lui donne le rendez-vous à 14h30. Les rendez-vous, tout. Tu appelles la personne le lendemain, la personne ne te répond pas. Le message, la personne te laisse en edge. Je te dis, bon, vous êtes la personne occupée. Deux, trois jours, tu comprends que, ah, le gars là, il s'est foutu de ma gueule. Hein. Et ça, là, il se le cala plusieurs fois, mais bon, on est encore zappé. Sur le troisième type de personnes, là, on va dire, on griffe les menteurs. Ces personnes-là qui vont te mettre sur une affiche que non, moi, pour, je loue la maison, il y a la NAS, pour ceux qui sont étudiants, les documents nécessaires, c'était tu pars visiter la maison, nanana. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ne veulent vraiment pas te louer la maison, ils commencent à te créer des documents. Non, il faut le relevé bancaire de tes parents. Bon, ok, je pars au relevé bancaire de mes parents. Ils me l'envoient. Non, si un relevé bancaire n'est pas italien, c'est un problème. Tu as quelqu'un qui te demande, il faut le garder. En fait, chaque personne commence à créer des papiers. En fait, plus c'est les papiers en question, plus ils répondent des nouveaux papiers, tu te demandes qu'à le gars là. Dis-moi clairement que je ne veux pas me donner ta maison, je vais comprendre en fait, mais c'est ça en fait, c'est un enchaînement de choses qui nous arrivent ici, où après on se dit, bon, on n'a pas le choix en fait, on est obligé de vivre avec, on est dans le pays, là on est obligé de s'adapter en fait, on n'a pas le choix, et c'est tout ça en fait, c'est un peu tout ça mon vécu ici, notre vécu, tu as avec mes frères et soeurs, ici en Italie, c'est ça, et là je ne vous parle même pas de mon voisin compliqué que j'ai ici, mais bon, c'est encore un tout autre sujet. Ciao !